Donc la première dame a eu la gentillesse de nous recevoir, toute la délégation, et vous pouvez voir que nous sommes très nombreux, et nous a signifié en tant que la première dame, mais aussi en tant que la mère de la patrie, parce que c'est comme ça que elle nous l'a présenté, nous a parlé de ses activités dans le cadre de à la fois l'organisation des premières dames pour le développement de l'Afrique, mais aussi dans le cadre de sa fondation Bonne Action. Mais ce que j'ai retenu de l'entretien, c'est que il y a une vraie préoccupation pour améliorer l'accès aux services sociaux de base pour les populations les plus vulnérables et vraiment les plus vulnérables des vulnérables. Et donc, il y a beaucoup de projets qui nous ont été mentionnés, notamment par rapport donc au lancement des cantines scolaires, par exemple, la semaine prochaine, si j'ai bien compris. Également la construction d'écoles, un centre ophtalmologique mobile pour les personnes avec des problèmes de vision, mais aussi beaucoup d'activités en termes de mobilisation des jeunes par rapport aux grossesses des adolescents, mais aussi pour améliorer le leadership féminin. Donc, il y a eu beaucoup d'activités. Donc, très clairement, il y a un engagement pour faire en sorte que tous les aspects qui promeuvent les jeunes, promeuvent les femmes dans une contribution positive au développement du pays ont été échangés donc, cet après-midi.